Hey, salut les fadas du bocal! Bon, pour une fois, on va parler, comme j'ai fait une petite promenade à la montagne, je vais vous faire un petit tuto pour les feuilles de châtaignier et les fruits d'aune, pour reconnaître les feuilles, tout ça, pour qu'on puisse mettre dans nos bacs, pour ombrer un peu l'eau. Et sur le chemin, comme d'habitude, j'ai trouvé quelque chose. Regardez, hein. Regardez-moi ça. Belle racine. Elle est pas mal, cette petite bout de racine. Bon, il faudra la couper aux tronçonneuses, bien sûr. Alors, comme nous sommes devant des châtaigniers, voilà, c'est très facile à reconnaître une feuille châtaignier. Voilà. Et ça, vous pouvez mettre dans votre bac pour ombrer un peu l'eau. Il n'y a aucun risque, c'est très naturel, surtout ça vient de la montagne, tout ce qui est dans la forêt, donc il n'y a pas besoin de mettre dans le micro-ondes quoi que ce soit, vous mettez directement dans le bac et en espace de 5-6 jours l'eau elle sera un peu ambrée, ça fait un très très beau biotope amazonien. Voilà, comme il y a des gens qui me demandaient comment trouver des branches mortes, des trucs comme ça, et ça, comment reconnaître les feuilles de fruits d'aune, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, il y a une branche là, elle est dans l'eau depuis très très longtemps, et il y en a plein d'autres là-bas aussi. Voilà, ça c'est les fruits d'aune. Donc repérez les feuilles, elles sont comme ça. Alors attendez, je vais approcher les feuilles et pour vous montrer exactement à quoi ils ressemblent. Voilà, ça c'est une feuille de fruits d'aune. Et si vous reconnaissez la feuille, bah, c'est très facile à trouver des fruits d'aune. Bon, là il y en a un peu, mais comme avec le soleil, vous ne le verrez pas facilement avec mon téléphone. Car aujourd'hui, j'ai pensé pas faire un petit tuto comme ça pour reconnaître les fruits d'aune. Mais bon, vous savez qu'est-ce que c'est des fruits d'aune. En plus, ce qui est sympa, c'est dans la nature, dans les cours d'eau, on trouvait des branches. Alors, on va voir ça de près. Oui, les branches là. Ça c'est une belle branche hein, quand même. Donc elle est séjournée depuis très très longtemps dans l'eau. Donc elle va couler tout de suite dans le bac, hein, il n'y a aucun souci. En plus elle est lavée, désinfectée, tout ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez, juste un petit coup de karcher et c'est top. Regardez, il y en a plein dans l'eau là. Là-bas aussi, il y en a un peu partout. Voilà, c'est sympa. Voilà, voici à quoi ressemblent les fruits d'aune. Voilà, je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Voilà les fruits d'aune. Comme ça, la prochaine fois, quand vous baladez à côté d'une rivière, vous... Ben, ça ressemble à ça. Plus les feuilles sont très faciles à reconnaître. Voilà. Voilà. Là, il y en a de partout. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et un peu plus loin, il y en a encore. Et un peu plus haut dans les cours d'eau, il y en a encore de la rivière. Vous pouvez facilement retrouver dans la nature, surtout à côté des cours d'eau, il y a des fruits d'aune. C'est très bon pour mettre dans votre bac, pour ombrer un peu d'eau. Et puis les feuilles châtaigniers, c'est pareil. Donc c'est un petit tuto, mais sans plus. Voilà. C'est
c'est pas fait exprès, je suis allé balader et puis j'ai vu ça et je vous fais partager cette petite découverte. Voilà, je vous dis à bientôt les falaises du bocal et bientôt il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis, portez-vous bien et puis regardez des autres tutos. Voilà, abonne-toi et puis mettez un petit like si ça t'intéresse. Sinon, bon dimanche, ciao.